La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est canal pas pour même qui remet l'évangile ou même qui cherche sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous sommes vraiment contents pour nous offrir une dernière émission pour ce semaine ça du lait spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi, arrivé vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Nous content parce que vous faites de émission ça, émission PAO, et nous encourageons toujours partager avec 11 amis ou bien n'importe monde ou connaît émission ça capable aider dans la vie spirituelle. En nous prier pour émission matin. Seigneur, nous prosterner devant aujourd'hui. Nous venir avec un cœur contrit et brisé. Nous reconnaître nos pécheurs qui sauvés par ta grâce et ta grâce seulement. Et nous demandons aidez-nous pour nous capables vivre une vie qui fait plaisir. Bénis chaque ami et mission ça et permettre à travers la vie de Job nous capables de joindre des messages qui aident nous pour nous vivre même les moments les plus difficiles avec espérance, avec assurance. Bénis-nous ensemble. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père. Amen. Job chapitre 8, versets 11 à 18. Le jonc croit-il sans marais? Le roseau croit-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient d'hier, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y craponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu. Amen. Job, un hypocrite selon Bildad. Bildad t'a blâmé Job pour façon Job te répondre Eliphaz. Bildad t'a attribué la mort des enfants de Job à leur péché. Bildad pat wenan Job un homme juste et droit. Et Bildad t'a encouragé Job pour consulter la tradition des anciens pour le capable arriver comprendre que malheur yo pas le fruit du hasard, mais c'est bon Dieu qui a jugé Job pour péché yo. Et Bildad ne discute ça, li pas hésité pour considérer Job comme un hypocrite. Un hypocrite, c'est un coup de monde qui gagne deux masses.
c'est un monde qui prétend sier. Et c'est un monde qui est toujours prêt pour le cacher faute li yo. Bildad traité Job zanmil la de yon hypocrite. Bildad n'a pas gain aucune considération, aucune compassion pour Job, son ami. Et aux yeux de Bildad, Job n'est autre qu'un hypocrite. Et Bildad pourrait utiliser des images dans la nature pour prouver que Job c'est un hypocrite. Dans Job chapitre 8 verset 11, Bildad a posé deux grandes questions à intention pour prouver Job c'est un hypocrite. La première question, le Jean croit-il son marais? La seconde question, le roseau croit-il sans humidité? Dans bon créole, nous t'a dit, est-ce que ma nous joigne marécaille côté pas gen Jean? Est-ce que roseau c'est pas côté qui gen de l'eau li pousser? Pour qui ça? Bildad posait deux questions ça yo. C'est parce que Bildad te voulait montrer Job li péché contre Dieu. Même Jean marécage pas qu'on existe côté qui pas gain Jean. Même Jean roseau pas existe côté qui pas gain de l'eau. C'est comme ça souffrance Job yo pas ta existé si Job pas péché contre Dieu. Job pas ta souffrir, j'en a souffrir là s'il pas en bas jugement bon Dieu. Et puisque Job a déclaré lui innocent, Bildad considérait Job comme un hypocrite. Et pour Bildad, un hypocrite, il est toujours fini de une façon qui tragique. Et tout tragédie ça qui frappe Job confirmé que Job c'est un monde qui t'a oulé de bas, c'est un homme qui pas juste, qui pas intègre, c'est un qui a péché aux yeux de Dieu et bon Dieu a corrigé Caïe Job. Bildad continue pour dire dans Job chapitre 8 verset 12, encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Job dit, mais Jean est hypocrite fini. Même Jean, Jean ou roseau, hein? Les sécheresses, yo fené, yo détruit. C'est comme ça, hypocrite là, il finit mal. La ville passe mal, sale gagné passe mal. Imaginez comment t'as senti ou. Pour ta malade ou gen zanmi ki vin la kayo et là ou vini ou pense ou ta ka aide ou console ou encourager ou et pou youn la dan yo ap traité ou de yon hypocrite, de pécheur, de yon injuste, comment ou t'ap senti ou? Eliphaz,
l'était blâmé Job, mais pas dans la dimension Bildad. Bildad, ouais, dans Job, yon hypocrite. Et comment Bildad décrit sort yon hypocrite? Ou bien comment, aux yeux de Bildad, selon la théologie de Bildad, ou capable identifier yon hypocrite? Dans Job chapitre 8, verset 13, verset 14, jusqu'à verset 17, il dit nous comment nous ca identifier, nous ca reconnaître nos hypocrites. Première identification, nos hypocrites sont monde qui blie bon Dieu. C'est son oubli de Dieu. Donc, Bildad dit Job, oubliez bon Dieu. Ou abandonnez bon Dieu. Ou péché contre bon Dieu. Ou pas fait cas de Dieu. Et voilà le résultat maintenant. Tes enfants ne sont pas là. Tes serviteurs ne sont pas là. Ta postérité n'est pas là. Et voilà ton corps. Il n'y a que des ulcères malins. Parce que oublié bandit. Est-ce que c'est vrai? Point du tout. Job 1er, Job chapitre 2. Prouvez-nous que Job pas jamais oublié bandit. Job te rete attaché à son Dieu. Le madame li dit, maudit bon Dieu pour le mourir, il dit non. C'est pas possible. Mais Bildadil, comme un hypocrite, l'oublier bon Dieu. Première façon, selon Bildad, ou qu'a identifié un hypocrite, c'est parce que c'est un monde qui a oublié bon Dieu, tôt ou tard dans sa vie. Et deuxième façon, deuxième signe, il dit l'espérance de l'hypocrite la périt. Un hypocrite, selon Bildad, la privé dans un point dans la ville. Pas gain espérance pour lui. Et nous qu'à comprendre approche Bildad là parce que sans Dieu c'est bien sans espoir. Sans Dieu pas gain espérance. Il dit hypocrite là, non seulement l'a oublié mon Dieu mais l'a privé dans un carrefour côté toute espérance a perdu pour lui. Tout espoir a perdu pour lui. Et c'est comme ça, li wè nan Job, yon hypocrite, qui oublie bon Dieu, et qui tombe dans un carrefour de désespoir, parce que Job, aux yeux de Bildad, c'est yon hypocrite. Et troisième signe, selon Bildad, ou capable d'identifier yon hypocrite, il dit son soutien est une toile d'araignée. Hypocrite là, il pas gen moun pour soutenir. Hypocrite là son moun tout moun a pas abandonné, même bon Dieu a pas abandonné. Baronne sou kon observe une toile d'araignée. Li faible là. Li pas ka supporter rien. Elle dit Job comme une hypocrite, li sans soutien. Li sans assistance, li pa gen personne, voire même sa femme, pas de vle supporter, pas de vle soutenir. Parce que yon hypocrite, soutien c'est un coup yon toile araignée, soutien faible. Sa ki ta soutien l'an pa ka kembe l vrai.
Si premier signe pour reconnaître hypocrite là selon Bildad, c'est parce qu'elle a oublié bon Dieu. Deuxième là, espérance li perdue. Troisième là, soutien c'est un contrôle à régner. Et quatrième signe là, son assurance est brisée. Yon hypocrite c'est un monde qui vive qui pas assuré nulle part. Parce que li blie bon Dieu et li pa gen assurance. Donc c'est comme ça Bildad ouais Job ou hypocrite dépourvu d'assurance. Heureusement c'est Bildad qui ouais Job comme ça, c'est pas bon Dieu. Si c'est bon Dieu te ouais Job Jean Bildad ouais là café Job tap koule akma. Et cinquième signe selon Bildad pour reconnaître un hypocrite, il dit son appui est une maison qui n'est pas ferme. Donc hypocrite là bagay côté le capiel même propre kaeli vi nous menace pour sa vie, même propre kaeli li pa gen garanti en balle. Et pas ça qui t'est arrivé les enfants de Job et par là kay petit Job yoteye et puis vent passé la gen kay la sou yo. Bildad di kay hypocrite la pa fèm, n'importe ti vent ka la gel a te fè dega. Et Bildad continue by signe yon hypocrite. Il dit yon hypocrite c'est tant qu'un moun ou bien tant qu'un pied bois qui gen racine ni nan roche. Racine nan pa nan tè. Racine nan muraille. Racine nan roche. Et nous connaissons Jésus-Christ là la parlé, il dit moun ki tap si mais plante qui tombe dans roche yo yo mouri. Et Bildad dit un hypocrite c'est un coup un pied bois racine dans roche tôt ou tard la mouri. Pour Bildad c'est pas sans raison Job tout ça le gain disparaît. Job a souffri parce que racine Job pas profonde, yo était dans roche et puis n'importe petit chalet détruit pied bois ça. Et Job pral di yo hypocrite destruction li inévitable. Pa gen rien hypocrite la ka fè pour le subsister. Pa gen rien hypocrite la ka fè pour le pas détruit. Et ça fait Bildad te wè destruction Job là était inévitable parce que le wè comme yo hypocrite. Et finalement, dernier signe pour reconnaître hypocrite là selon Bildad, sa joie est éphémère. Hypocrite là, le cas content pour un petit moment, mais c'est une joie passagère, c'est une joie éphémère. Et est-ce que Job pat connaît des moments joyeux? Oui. Mais selon Bildad, c'était éphémère. Parce que Job, c'est un hypocrite. Job gagne masse dans la figure. Et faut Job ta avili. Faut bon Dieu ta manye Job. Pour tout le monde ta kawa. Ça, Job te prétend lié. C'est pas ça lié. Bildad. Ouais dans Job. Yon hypocrite. Et comment vous avez mis pour la matin? Est-ce que vous avez comme des hypocrites? Est-ce que vous avez comme moun kap souffri pour ça yon fait? Comment vous avez matin? Bildad, pas de bien ou Job. Il te dit Job. Vous souffrez.
Parce que Ozo, pas qu'on sorti côté pas gain de l'eau, marécage, pas jamais existé côté pas gain de gens. Et souffrance, c'est péché qui cause. Ou sont hypocrites. Par conséquent, oubliez mon Dieu. Espérance ou perdue. Assurance ou brisée. Soutien aux étoiles d'araignée. Appui ou son maison qui pas ferme. Racine ou non roche. Destruction inévitable. Et ta joie est éphémère. Est passagère. Et Bildad pour conclure pour le dire dans Job 8, verset 18. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe. Ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu. Créole a dit raché ou raché yo. Pas de monde qui pou connaît côté yo te yé. Et ça rappelez-nous. Job chapitre 2 verset 12. L'expérience de Bildad. Lorsque Bildad et ses deux amis tapent pral ka Job, le texte nous dit, ayant de loin porté les regards sur Job, ils ne le reconnurent pas. Donc Job dit c'est sacrivé à hypocrite là. Gonlè ou apwèl ou pap reconnaître li. Même côté le t'est habité ou pas pour reconnaître si gè moun qui t'est habité là parce que c'est hypocrite la soudaine la inévitable hypocrite là a perdu espérance li pas gè assurance li pas gè soutien li pas gè appui et puis bon Dieu a jugé elle gade Jean on zanmi à parler à l'autre homme. Est-ce que nous sommes capables de considérer Bildad comme un vrai ami? Un homme qui paraît devant Job dans souffrance, qui n'a pas de compassion, qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de compréhension, et puis qui traite d'hypocrite. Pas d'espérance pour, pas d'assurance, pas de soutien, pas d'appui, pas de joie. Racine yo va mourir. Et gon là yo va chercher côté terre. Yo pas même reconnaître. Frère Samson Mimio. Ah non pas. Traitez-en minuit autant que Bildad. Donc Bildad, la façon de traiter Job, prouve le Seigneur hypocrite. Le vrai hypocrite, c'est pas Job, c'est bien Bildad. Bildad, il a déplacé le deal pour consoler Job. Il est arrivé contre Job, il observait Job. Au lieu de consoler, li augmenter douleur, l'el dit petit ou mourir à cause péché yo, ou gen ulcère à cause péché yo. Oubliez mon Dieu. Et c'est ça fait qui fait ou pas gen espoir aujourd'hui, ou pas gen assurance. Ou pas de personne qui peut camper avant, ou pas de appui. Si tu as un monde qui traite comme Bildad, qui t'aime de haut, le traitement de Bildad, ce n'est pas le traitement de Dieu. Les yeux de Bildad ne sont pas les yeux de Dieu. L'observation de Bildad n'est pas l'observation de Dieu. La conclusion de Bildad n'est pas la conclusion de Dieu. Sa Bildad dit ce n'est pas bon Dieu qui dit. Et si Bildad
ou mal, a traité mal, c'est pour dire gloire à Dieu. Parce que l'idée,